Et bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo que je trouve sympathique à faire, ma foi. On va tester ensemble qu'est-ce que vaut Obakam avec son nouveau costume qui est bien costumé, bien comme il faut, avec pas loin de 1900 PV, 900 de défense et 1000 d'attaque. Et qui en plus peut ressusciter, donc il a 1016 de puissance, cet homme se fiche royalement des limites. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Donc le but n'est pas de gagner, le but c'est de voir à quel point il est casse-pied. Petit rappel, il fait 260 sur 3 cibles, lui-même et ses copains qui sont proches de lui pourront faire un envoi de 95% sur 3 tours, et il récupérera une quantité modérée de mana. Donc effet qui est similaire à un 4 étoiles rouge d'Atlantide, dont j'ai oublié le prénom, vous m'excuserez. Et c'est parti pour un tour. Youhouhou. Ah bon, alors déjà, tac, 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 tac. Bon, le but, ça, par contre, c'est pas de le tuer, donc on va le laisser. Voilà, on va laisser jouer, comme ça, on verra à quel point c'est bon. Du 10-500 sur 3 cibles, c'est pas mal, ça reste correct. Est-ce que tu veux ressusciter? Oui, non, peut-être. Oh, bien joué, il ressuscite. Bien joué, bien joué, bien joué. Hop. Est-ce qu'il va encore ressusciter? Non. Que les dégâts, il en a fait pas mal, mais quand même, on remarquera qu'il est quand même tombé assez facilement. Bon, après, j'ai eu pas mal de jaunes juste en dessous de lui dès le début, donc oui, c'était un peu facile, oui, certes, mais dans l'absolu, il est. Je vais pas dire fragile, parce qu'en soi, n'importe qui tomberait, je pense, face à un mono de sa couleur opposée, et sur un puzzle, dans l'absolu, mais quand même, c'était sympathique à voir. Et ma foi, bah c'est parti pour une victoire que je n'avais pas spécialement prévue. Donc ma foi, ça fait du bien au moral. Libre à vous d'arrêter de regarder la vidéo là si vous voulez. Là, je vais juste rester jusqu'à la petite victoire, histoire 2. Voilà, enfin, la petite rubis. Dommage que tu m'aies attaqué Devana. T'as attaqué le 3, ça aurait été peut-être un peu plus malin, mais dans tous les cas, c'en est fini. Bon bah voilà. Le tout de Obakam, costume 2.0. Pas très résistant, même s'il a quand même réussi à lancer son attaque une fois. Et c'était game, mine de rien, c'était pas mal. Hein. Parce qu'elle a 850 de défense. Il y en a 865 et 860. Bon, vous avez tous moins de 860 avec les troupes qui ont monté la défense. Donc il a fait du 500, mine de rien, sur des gens qui ont une défense correcte. C'est vrai qu'à ce jour, 860, c'est presque, je vais pas dire démodé, mais il y a des héros qui ont largement mieux et de façon beaucoup plus répandue à ce jour. Mais mine de rien, des dégâts qu'il a fait tout de même assez respectables. Le renvoi de mana, j'ai pas spécialement pu le voir à l'œuvre vu qu'au final j'ai été un peu trop offensif. Mais mine de rien, ça a fait son taf. Ils avaient chargé un peu plus rapidement, donc c'était pas mal. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Très bon week-end à vous, votre avis ou pas. Force à vous. Tchou tchou!